Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on continue sur la lancée, on va écouter un titre qui s'appelle Tini Tana, c'est Ethan Blex featuring Seth Lowe. Ouais, on perd pas de temps, il n'y a pas de description, il n'y a pas de prodo, on y va, c'est parti! Est-ce que c'est de l'Amapiano tout ça? Amapiano ou Afrobeat? En vrai, c'est la même chose en vrai. C'est juste le genre qui est différent. Oh! Oh, elle est sévère! Seth Lowe, le king des featuring, le T-Pain togolais poto, le Drake togolais avec ses featuring de feu à chaque fois. Après il est plus ressemblant en termes de genre à T-Pain avec son autotune, son chant, tout ça. Mais c'est vrai qu'en lui je le trouve toujours en mode featuring vraiment de dingue. Il l'envoie à la totale à chaque feat. Il est gigantesque. Oh là là, le son est monstrueux. Ethan Blex. Pourquoi ça on dit comme ça, Ethan Blex? Ah, il est chaud, il est énervé. Clip est lourd hein, aussi, hein. Il y a un gros travail de clip magnifique. Oh. Oh là 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 là, qu'est-ce qui fait mal ce son! Les deux, ils ont fait vraiment une grosse track. Franchement, magnifique. Seth Lowe, il a mené le son à un autre niveau aussi. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il est là, il met le level up. Franchement, le son de Ethan Blex, très très lourd. Il a tué ça. Et il a ramené l'invité idéal pour faire. Faire monter son titre tout simplement. Oh là là, la Mapiano il est magnifique derrière. Fini 3 minutes 21, c'est une belle dinguerie ce qui nous a proposé Ethan Blex, c'était lourd. Je sais pas si on dit Ethan ou Ethané ou je sais pas. En tout cas, c'est du lourd. Son petit Tini Tana, il a vraiment tout tué. L'invité, un bel invité, Seth Lowe. Magnifique, il a tout tué, Seth Lowe. C'est une dinguerie ce gars-là. Oh là là, celui-là, s'il nous nous ramène un album là, avec des gros fit, lui il peut se permettre beaucoup de choses, franchement. Ethan Blex, franchement, je crois que j'en ai pas fait de titre de ce gars-là, et franchement, il a envoyé du lourd, et ça. Si, j'en ai fait, je savais que j'avais entendu ce nom quelque part. Il a fait un feat avec Toofan, elle s'appelait Akana, que j'avais fait en 2022, et. Attends un petit peu, attends, tu es pressé, toi. Il est pressé. Et en 2022, et j'avais bien apprécié. C'est pour ça que je me dis
que son nom me rappelait quelque chose, mais je sais pas où je l'avais entendu. Et j'avais déjà fait un son, voilà, qui date d'il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Et voilà, magnifique, franchement. Toujours en place, Ethan Blake, c'est toujours dans le game plus fort que jamais. C'est ouf, c'était ce titre-là. Et voilà, il avait déjà envoyé quelques titres. Toujours reproductif. Je dois voir un peu ce qu'il fait, qu'il a fait, ce qu'il a proposé dernièrement. En tout cas, c'est chaud et c'est l'univers Togo, tout simplement. Le level est de plus en plus élevé. Encourageons nos artistes, ça promet du lourd. Cet lot est un cuisinier certifié et s'il rentre dans la cuisine, il ressort avec un bon repas délicieux. Et Wubo à vie. Cet lot est le seul artiste qui peut faire sortir des singles chaque jour. Unique au Togo, c'est vrai. Hein, je te jure, c'est le hitmaker du Togo, ce gars-là. Je suis fier d'être togolais à cause des talents comme ça. Cette chanson, c'est pas juste pour écouter, mais pour nous faire danser. C'est une dinguerie à ma piano. Il l'a tout dit. Putain, ce feat, c'est comme un double ballon d'or incomparable, inestimable. Ah là là, c'est des ouf. Franchement, la collab, elle était vraiment réussie. Hein. Vraiment une collab bien réussie. Et ouf, hein. Le visuel aussi, ça part en drone, ça part en pas mal de choses. Il y a eu un bon travail, hein. Franchement, il faut reconnaître, le travail était bon. Et voilà, force à Ethan Blex pour son titre. Tinitana, il a tout tué. Donc voilà, tout simplement, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.